Bonjour, comme vous le savez, l'Université Bordeaux-Montaigne met à votre disposition des bibliothèques. L'ensemble des bibliothécaires vous souhaite la bienvenue et vous invite à visionner la présentation du cours en ligne de recherche documentaire. Le cours de recherche documentaire fait partie d'un ensemble d'enseignements regroupés sous l'appellation « compétences transversales en licence ». Ces enseignements sont dispensés durant tout le cursus de la licence 1, 2 et 3. Ils font partie d'une UE, unité d'études, composée de trois matières, compétences numériques, projets professionnels étudiants et recherche documentaire. Quelques informations pratiques sur ce cours. Uniquement sous forme numérique et en ligne. Pas de présentiel, il n'apparaîtra donc pas sur votre emploi du temps électronique Hyperplanning. Il sera accessible sur la plateforme de cours en ligne de l'Université Bordeaux-Montaigne, eCampus. Il sera dispensé au premier ou deuxième semestre selon votre discipline. Vous serez informé au début de chaque semestre des dates d'ouverture et de fermeture du cours. Le cours est ouvert en principe pendant 6 semaines durant lesquelles vous travaillez en totale autonomie. Le cours est accessible via l'espace numérique dédié aux étudiants appelé ENT étudiant. Cet espace est consacré à toutes les informations concernant votre scolarité, emploi du temps, etc. et à l'accès aux cours en ligne pour toutes les disciplines. Il vous suffit pour vous connecter au cours de recherche documentaire de cliquer sur l'onglet « Cours en ligne ». Ce cours a pour objectif de vous aider. Il vous dispense des conseils méthodologiques de recherche d'informations et vous fait découvrir des ressources documentaires indispensables au travail universitaire, Google ne suffisant pas. Mais un chapitre entier lui est dédié afin d'optimiser son utilisation. L'ensemble du cours vient en appui des cours disciplinaires. Il permet d'apprendre à sélectionner les informations pertinentes nécessaires à vos cours. Il favorise la construction d'un esprit critique face à la surabondance d'informations. Le cours est obligatoire, il est évalué et permet l'obtention d'une note et de crédit ECTS. Les détails seront communiqués lors de la semaine d'intégration. Le cours est multimédia et composé de chapitres théoriques suivis d'exercices d'application. En licence 2 et licence 3, chaque cours commence par un chapitre dédié aux révisions du cours de l'année précédente. Bien que le cours soit exclusivement en ligne et que vous soyez autonome sur sa durée, vous n'êtes pas seul pour autant. Un forum est dédié aux cours de recherche documentaire et accessible sur la page du cours. Vous pouvez y poser des questions aux bibliothécaires et aux autres étudiants. Vous pouvez aussi venir nous voir directement en bibliothèque. Vous pourrez aussi trouver les détails de ce cours sur la page dédiée à la rentrée 2020 sur le site de l'université. Nous pourrons aussi échanger de l'actualité des bibliothèques, mais aussi du cours en ligne lors de la semaine d'intégration.